Bonjour, je m'appelle Kader, je suis senior computational biologist chez Epigen Labs et j'ai rejoint l'entreprise à la rentrée 2019. Nous travaillons dans un environnement Python qui est très utilisé en data science, mais aussi en R, plutôt couramment utilisé en bioinformatique et en génomique. Et par ailleurs, on utilise beaucoup d'outils de DevOps, notamment Docker par exemple, qui est très peu utilisé dans le milieu universitaire et qui sert à construire des conteneurs logiciels. Nous travaillons sur des outils qui doivent être stables, mais aussi utilisables en live sur notre plateforme. Par ailleurs, on insiste beaucoup sur la reproducibilité des pipelines et des résultats, et enfin l'interprétabilité de ces résultats par les biologistes, que ce soit chez Epigen Lab ou chez nos partenaires. On commence par des méthodes simples et éprouvées. Une fois qu'on a pu les mettre en production, on commence à apporter de la nouveauté et de la complexité dans nos méthodes. Nous sommes actifs sur des projets open source, notamment en contribuant dans la communauté Python, en essayant d'apporter des outils spécifiques à la bioinformatique. Pour cela, nous traduisons un certain nombre d'outils de R vers Python. Pour moi, ce qui est important chez Epigen Lab, c'est d'avoir accès à des grands jeux de données et pouvoir faire de la recherche appliquée, tout en contribuant à un environnement collaboratif et multidisciplinaire.